La seule issue, c'est la bagarre. Ah, faut payer, hein. Y'a rien de gratuit dans la vie. Hein. Allez, en plus, ça a pris une fumeuse. Oh, elle a des tétés. Ah, c'est comme dans Tekken, quand tu connaissais pas les touches, tu t'envoyais. D'un coup, il pensait qu'il allait revenir chez lui le lendemain. Et là, il est encore à Madrid. Lis ce qui est écrit sur l'ascenseur. Est-ce que t'es vraiment prêt? Vas-y, on s'envoie une petite visite guidée. Tu me fais une visite guidée? Une petite visite. Vas-y, visite. Alors, tout d'abord, on va commencer par le baby foot. Il faut savoir qu'on est dans la capitale madrilène. Et le club qui règne, c'est l'Atlético et le Real de Madrid. Vous savez que tous les mecs, dès qu'on va dans un hôtel, ils pensent qu'on est des grands homosexuels. C'est pour ça que je mets la casquette. Ils doivent se dire, le petit blanc, il se fait tabasse. Ah, il y en a deux. Oh, c'est super, ça. Comme ça, s'il y en a un qui est bout, tu peux s'enfuir. On attend le miroir. C'est fermé. Non, bizarre. Mais non. Mais je sais pas si c'est fermé. Ça serait dommage. Hein. Oh, la piscine, elle est fermée. Wow, coup dur pour le... 10 ans d'LV2 pour comprendre que les mots transparents. Oh, la piscine, elle est mimi. Wow, ça on l'a vu en live. Moi lui il ricane, hein. Oh, oui. celle-là s'il la sort. Ça c'est le tournant du mal. Regarde Mbélé simplement. Ah ouais. Très simplement. Celui-là il est très. C'est les mêmes. C'est même pas lui qui meurt. Non, en fait c'est pas lui, j'ai vu, il a pas mis le triplé. C'est CSC de Varane. C'est pour ça il s'est niqué le genou ça, à ce moment-là. Oh la bruche. Oh là il y avait grave faute. Oui. C'est ça mon problème à moi. Moi, faut pas tu me parles pas d'Uber Eats. Parce que nous, dans le 7-7, on a pas Uber Eats. Moi, dès que j'ai Uber Eats, je m'envoie. Aujourd'hui, c'est mexicain. Grrr. Tous les jours, les gros, c'est Friday. L65, j'aurai des flots sénégalais. Gros salaire de l'Atlético comme jamais. J'ai pas ce qu'il fallait. Atroce. Attends, t'as pas perdu un AirPod? Non, dans ma poche. Ah, t'as une oreillette? Une oreillette, là. On m'a dit, il faut mettre la capuche, sinon après ça jaunit. Donc j'ai acheté un petit truc à capuche. Ah, en plus, j'ai dit le Barça, ils vont tuer le Real. T'as dit, ah ouais, bizarre. Le Barça, ils vont tuer le Real. Mais ils ont tué. Ils ont été réalistes. Est-ce que c'est mérité? Hey, parce que là, il y a un mec, j'avoue, il m'a tweeté, il m'a fait réfléchir. Il m'a dit 3-0, c'est forcément mérité. Ouais mais regarde. Est-ce que Luis Suarez il se dit oh on a gagné mais c'est pas mérité? Oh non. Oh zut. Ah y'a aucune peine hein. C'est vrai il s'en bat les couilles. Sans voir. Franchement il en faut peu pour être heureux. Ah il en faut. Regarde. Ouais t'es mal bail. Regarde. Ouais. Du bobsleigh. Yeah. Ouais. Non, lui il avait fait une dinguerie. Lui il s'était mis carrément la tête à l'envers. Ah ouais, là il a pas eu assez de sensation. Bon vas-y, vas-y, prank. Je drague ta meuf devant toi. Bon vas-y, c'est parti. Voilà. Mais oh, les devs ce soir encore. Franchement ils sont mimi avec ton avis de panthère. Bon vas-y, je vais essayer de trouver un petit couple. Ouais, mais c'est que je sais pas parler espagnol, tu vois. Si je savais là, j'aurais. J'ai pas fait espagnol, moi j'ai fait allemand LV2. Oh, c'est horrible l'allemand. Oh, mais t'as fait espagnol, t'as non plus. Comment c'est dit, c'est salto en espagnol. Hey, gros, là on est tombé sur des acrobates. Salto. Salto, ouais, envoie-toi. Ah oh, ouais. Et c'est... Salto. Ah ouais. C'est un salto. Yeah. Si. Let's go. Ça va. Non, mais, un peu bizarre. Ta gueule, connard. Non, mais le comme ça, je... Non. Paloma. Si, est-ce possible? Bon, il va se péter la gueule à cause de nous. Oh, envoie-toi, ouais. C'est pas ce qu'on voulait. Ouais, c'est pas ce qu'on voulait. Ouais, les joueurs, ils sont dans le bus, wesh. C'est une dinguerie, wesh. Au plus vite. Tu t'envoies? Moi, je m'envoie, et toi? Franchement, ça va, hein. Belle ville, Madrid. Hein. Bon, les madrilènes, c'est quelque chose. Là, t'emmènes madame, tu viens ici. Regarde. Lui, il a tout compris. Lui, il vient au parc, il emmène madame. Moi, j'emmène d'accord. Là, il peut faire des dingueries. Pour des moments de tendresse. Je pouvais encore me faire démonétiser, j'en ai marre. Une belle jupe. Une belle jupette. Oh, Atlético aussi, ouais. Je suis dingue. Mais je crois, là, on est dans la côté Madrid-Atlético. Ouais, j'ai l'impression. On voit pas trop de madrilènes. On voit pas trop de Real. De Réalien, tu vois.
Bah Péfut, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit 4,20€. Au début, t'as vu, je me dis, je parle peut-être mal espagnol, c'est pas, ça peut pas être 4€ deux bouteilles. Parce qu'en France, 4€, t'as 3 packs. Non, mais en fait, tu vois, il y a un booster intégré. Avec 4€, t'as 8 packs d'eau à Lidl. Non, bah, franchement, on s'est fait enfumer alors. Les gens, ils veulent rentrer dans notre intimité, ils vont pas échapper à un classique. Basic fit. Basic fit, entraînement. Sauf que là, tu peux pas gruger. Tu peux pas gruger là, hein. Tu là, peux c'est. Pas le basic system. Parce que là-bas, ils ont des cages, des grilles en plus. C'est quoi le programme ce soir? J'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses. Une bonne séance biceps. Biceps encore? Mais Péfut, tu travailles tout le temps les biceps. Cet aspect. Ouais, logique, j'en ai deux, j'ai travaillé deux fois. Payer 10 balles une séance pour que ça change absolument rien sur notre corps, c'est pénible. Ouais, c'est des barons, on peut pas frauder. Là, merde. J'ai une armure. T'as une armure? J'ai une armure, c'est l'armure de l'échauffement. L'échauffement, très important. Tu prends une barre de 10. Recule un peu. Tu prends une barre de 10, tu fais 50. 50 reps. Bon, c'est pas lourd. Mais les 50 reps, faut bien les faire. Faut pas commencer à danser avec le dos. Voilà. Mba presque. Ah ouais. Vas-y, 50 reps, 50 reps. Vas-y, 1. Oh, la meuf derrière, elle est gainée. Hein. Vas-y. Tu vois ça, c'est ça le problème. Ouais. Là derrière, ouais. Les autres techniques. À tout moment, je peux dévancer un pas. Bon, Péfut, il est gourmand. Je ramène les 20, il veut pas. Du coup, il veut 24. Il y a une sacrée marge. Il y a une sacrée marge. Moi, tout ce que je sais, c'est que son dos là, son dos il va chanter. Demain, il va chez l'ostéo. Plus je cours après, plus l'oseille me fuit. Plus j'accélère, plus le soleil me suit. Je repense à quand je voulais qu'on me passe le ballon. Quand j'avais l'estomac dans les talons. Un jour, ils feront la queue pour acheter ma lessive. Ces putes feront du rodéo sur mon ogive. Je vais revenir d'entre les morts comme Goku. Une flèche en or dans l'œil de Moscou. Encore. Un peu loin. T'en as fait combien? 5. Vas-y, encore une. Vas-y, mais termine avec les vents aussi, termine avec les vents. Double A, ils ont retrouvé mon coup fin dans les débris du vaisseau. De l'adamantium à la place des os. Au gramme ou au kill si t'es venu pécho. Et surtout bien soufflé. Demande à Mandanda, il va te dire. Quoi, Mandanda? Prochain exo. Alors ils appellent ça comment? Ils appellent ça un curl debout, on va dire. Comme il fait le monsieur. Le mouvement est bien exécuté. Ah, mais faut coller les coudes. Oh, bah va lui dire en espagnol maintenant, ça va être dur. Oh, arrête. Non, dégueule. La babiole. Je t'aime à la mort, depuis que je t'ai trouvé, je me torche avec les cartes du trésor. Les fumées de mes joints n'arrêtent pas de danser. Les balles de AK accompagnent mes pensées. Tu verras que les roulements de mon barrier au départ du circuit Carole. Un exercice que j'apprécie beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la machine adaptée. La machine adaptée, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus lourd qu'en France. Mais c'est inutile, ce qu'il fait, il perquise le bord, c'est inutile. Mais le pire, c'est un enculé parce qu'il aurait pu prendre un banc normal. Vas-y, je vais lui dire. On va lui dire, va lui dire. On est fâché, on est négo. On s'est arrangé, il a vu le Bravax. Et finalement, il lui reste qu'une série. Si tu veux faire le dos, tu dois faire tirage. D'accord, d'accord. C'est ce qu'il dit, le mec. Il reste 7 séries. 7 séries. On n'a pas fait d'eau, on a fait plus. J'ai pris 20, j'ai peur que ce soit lourd, mais on va essayer. Normalement, j'aime bien cet exercice. Je pose le Bravax. Tac, et là, waouh, descend. Tac. Et Popeye, ça fait combien de temps que tu travailles les bras? Franchement, les bras depuis. Une salle de coups de feu qui chante un air sans parole. J'ai craché ma haine partout comme un reptile. Y'a mon ADN dans toute la ville. Attends. Aïe, putain. Pour le deuxième bras, généralement, y'a un bras qui est toujours plus dur à faire que l'autre. Ah ouais, c'est comme ça. Moi, je me branle du gauche, donc ça va. Mais ça va, c'est pas lourd là d'accourcir, tu le sens? Franchement là, quand je parle pas, c'est bizarre. Le mec il disait ouais, y'a rien dedans. Ouais non, c'est... T'es sérieux là? Non. Bon, ça sera pas coupé au montage, je suis fier. Ça, c'est... L'alter de 20, 1, la cour, 0. Ah ouais. Mais là, à tout moment... tout le monde n'aime pas. Péfut, il aime bien faire... Traction en prise comme ça, du coup ça travaille, ça sollicite le biceps. Le brachial. Comme s'il était pas assez gros. Travail de brachial. J'ai juré Emma, la seule différence entre ici et l'enfer, c'est le climat. Mort au chien, on trouve dessus au char d'assaut. On fait disparaître à la chaux. Prouve-moi que t'es des miens, je te décroche la lune avec un lasso. Wow. Tiens, mais le travail avant tout. Il y a une question qui revient souvent. T'es vu, c'est quoi ton training biceps? C'est quoi ton training biceps? Je suis pas coach. Ça veut dire les mecs ils veulent que je fasse une vidéo musculaire alors que moi-même j'ai besoin de conseils. Je peux pas faire des vidéos muscu alors que je connais. Je veux pas dire que je connais rien. Et moi je suis qu'un amateur. Je veux dire ça, c'est important. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Et mal bail. Ça veut dire si vous êtes sérieux et que vous faites cet exercice à chaque fois à la fin de la séance,
moment vous aurez la boule. On la voit la boule là. Leur planète part en couille, c'est palpable. Tu regardes sans rien faire, t'es coupable. Je passe ni vu ni connu comme un sous-table. Gros pilon du riff en guise de soupape. Ah, ça pousse hein. Ah ouais, ah bis. Ah bizarre. Hey, moi je préfère que tu m'assistes pas hein. Moi je suis pareil que toi, je préfère pas faire jambes carrément. Ah ouais. 70 kilos c'est pas terrible, mais bon. Franchement, moi je suis en place. D'accord, il veut pas enlever parce qu'il a peur d'effrayer. Franchement, c'est quoi les objectifs de cette année en musculation? Franchement, on va essayer de maigrir un petit peu. Ouais. Là t'es à combien là? Combien de kilos? Là je peux être à 92. 92 sans faire attention? Ouais, j'essaie de descendre à 86. Ouais. Pour avoir que du muscle. Puis toi t'es dans le judo aussi. Ouais. À la pesée. À la pesée, je rencontre des mecs qui font 2 mètres. Donc là, moi je vais rester comme ça. Moi mon corps il me plaît comme ça. Juste quand on lève ton t-shirt. Moi en fait c'est un corps bizarre. C'est un, tu te dis il est pas balèze. Et quand madame elle voit son t-shirt, elle dit ah ouais quand même. En fait toi tu dois avoir 25 kilos dans les jambes déjà. J'ai pas mis de crème. On s'en fout. Et juste je comprends pas comment tu peux. Vraiment, comment tu peux avoir des jambes comme ça alors que tu les fais pas. Tu les fais pas, c'est nimp. Et encore là, elles sont même pas. Regarde, ouais, bah la vie de ma mère là, on dirait elles sont congestionnées comme quand un mec vient de faire les jambes. Ouais, c'est une dinguerie, et puis le chibrax, ça c'est un mec. Oh, 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 oh. Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille, qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino. Je n'ai pas du tout besoin d'allier. Je les entends tous parler de casier. Tu sais pourquoi je suis fâché? Ah parce pourquoi, dis-moi. En fait, je suis arrivé, j'ai voulu retirer 200 euros. Sauf que la machine elle m'a sorti 800 billets de 10. Mais moi, on m'a jamais fait ça. Oh, les gainés, wow. Vas-y, fais un demi-tour. Si tu peux, ouais. Bref, nous, c'est l'argent qui nous intéresse. Ouais, non, elle est vraiment gainée, par contre. La machine, elle me rend 20 billets de 10. Ça, là, ça m'est dépouillé. Hein. Mais je t'en, mais baby. Lui, sa banque, elle lui dit, tu peux pas. J'ai retiré 200. On a joué combien de temps? 30, elle est vraiment belle, par contre. 30 minutes. 100. 200. 300. 400. 500. 550. Ça monte du 565. Ouais, elle fait tous les trucs, Ça fait une soirée à. Je sais pas. Combien de bénéfices? Bah, je suis venu avec 200, je repars avec 565. 365, la soirée? C'est une journée de taf, c'est combien? Je me baladais, tout ça. J'ai perdu Péfut. Donc je sais pas où il est, c'est la merde. Salle de jeu. Je le trouve pas là. Franchement, si je le trouve pas là, c'est bizarre. Je crois que le mec il me regarde bizarre. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, mais bon. Oh, bah, plus fou. Benji Noël, c'est bon. Voilà, c'est ça qui est lourd. Tu viens ici, tu peux nous faire tout ce que tu veux. Tu regardes le match. Sur Insta, j'ai dit vous devez trouver quel flocage. Personne va trouver. Il faut bien qu'il écrive Beckham. Hein. C-K-H. C-K-H. Ouais, check it out, man. Toi, je vais même pas y avoir un. C-K. C-K. E-23. Yes. You like David Beckham? It's my favorite. It was my favorite player in Madrid. Yes. Espèce c'est coûteux comme la cam. J'ai rêvé d'être foutu comme Beckham. La chétane, la vengeance éclate. C'est et le casque est intégral.